Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir dans vos ménages. Dans l'actualité ce soir, dans le discours prononcé hier lors de son élévation, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a renouvelé son engagement dans la lutte contre le terrorisme et s'est dit prêt à assurer la défense de la patrie en cas de menace terroriste. Amadé Abbas. Au-delà de ces couleurs magnifiques qui expriment l'unité nationale et le valeur de la patrie, la cérémonie d'élévation à la dignité des maréchals du Tchad du président de la République par les élus du peuple a tenu toutes ses promesses. Elle couronne le choix d'un peuple jaloux de son pays qui a honoré son dirigeant pour des sacrifices consentis et des loyaux services rendus à la nation. La présente cérémonie dédiée à la consécration du général d'armée Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, que je félicite vivement et vous prie d'applaudir chaleureusement. Merci. Qu'il me soit donc permis à l'entame de mon propos de remercier chacune et chacun des distingués invités pour leur présence qui élève en couleur la présente cérémonie. L'histoire d'une nation est souvent ponctuée d'événements exceptionnels qui marquent de manière indélébile son évolution et lui confèrent une dimension nouvelle dans le concept des nations. La présente cérémonie, faut-il le rappeler, est l'aboutissement d'une démarche patriotique des parlementaires amorcée dans le mémorable discours de Bourouma. Ces titres de maréchal du Tchad attribués au président de la République, Idriss Déby Itno, est certes honorifique, mais plein de sens, car il consacre les interminables batailles et guerres qu'il a remportées brillamment. Ce héros a consacré toute sa vie pour la défense de sa patrie, une patrie qui lui est très chère et qu'il tient mordicus à défendre jusqu'à son dernier souffle en cas d'attaque d'où qu'elle vienne. À chaque fois, à notre corps défendant que nous avons été contraints de prendre les armes. Hier, pour combattre l'occupation du Tchad par la Libye et la dictature atroce habriste, aujourd'hui, nous prenons les armes pour défendre notre pays, voire même la sous-région. Des aventuriers, des mercenaires et surtout le terrorisme, l'insécurité et l'instabilité ne font pas ménage avec la paix, la stabilité, la démocratie. Tant que la paix, la stabilité, l'unité nationale, la souveraineté, la liberté, l'intégrité du territoire, la démocratie seront menacées, l'armée nationale sera là, présente, et je serai à ses côtés. Cet engagement hautement patriotique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, confirme et démontre la dimension de la bravoure de l'homme et sa détermination à sécuriser le Tchad pour favoriser son décollage socio-économique. À travers cette distinction, c'est tout le peuple tchadien qui est honoré. 60 années se sont écoulées après les indépendances et le Tchad vient d'enregistrer le tout premier maréchal de son histoire. Audience à la présidence de la République, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a reçu successivement ce jour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et l'envoyé spécial du président nigérien au centre des échanges, la coopération sécuritaire. Reportage d'Abaye Omar Soni. Mohamed Salih Anadi, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, est reçu par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Il est venu faire le point de la situation du contingent tchadien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, le plus grand contingent de la mission onusienne au Mali. La force conjointe du G5 Sahel
et la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad étaient les sujets décortiqués au cours de cette audience. Je rencontre le chef de l'État pour faire le point de la présence du contingent tchadien là-bas, qui fait un travail extrêmement précieux, qui est apprécié par tout le monde, et ça fait partie en quelque sorte de l'emblème de notre forces armées tchadiennes qui sont aujourd'hui s'alliées dans tout le monde, et moi je suis de ceux qui les utilisent et voient leur efficacité. Donc on a fait le point autour de cette présence, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et deuxièmement, vous savez que le président a reçu la dignité de maréchal. J'ai profité également pour le féliciter, l'encourager. L'ambassadeur Ahmed Rufai Aboubakar, envoyé spécial du président nigérien Muhammadu Buhari, est porteur d'un pli fermé de son président à son homologue, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Pays limitrophe, le Nigeria et le Tchad partagent 87 km des frontières terrestres. Pour sécuriser les biens et les personnes, les deux pays recherchent des réponses conjointes efficaces. Tout naturellement, le diplomate nigérien n'a pas manqué de féliciter le chef de l'État pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad. Et puis en visite de travail dans notre pays, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme depuis quelques jours déjà, Jean-Peter Pham, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région du Sahel, est reçu aussi ce mercredi au palais présidentiel. Il est porteur des messages du président américain Donald Trump. Dabaï Oumar Souni. Docteur Peter Pham, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel, est dépêché en N'Djamena à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Ce mercredi, l'envoyé spécial de l'administration Trump a échangé avec le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Il a transmis le message de félicitations du président américain Donald Trump et la reconnaissance des États-Unis pour les sacrifices consentis par le Tchad pour la stabilisation de la région Sahel. L'émissaire américain a également adressé ses félicitations au chef de l'État Idriss Déby Itno pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad par l'Assemblée nationale. Nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons les contributions, les sacrifices que le peuple tchadien a fait pour la stabilité et sécurité dans la région. Nous sommes reconnaissants et c'est une des raisons pour laquelle je fais le voyage de Washington dans cette occasion de votre fête nationale. Et notre engagement est pour la longue durée. C'était une opportunité pour expliquer au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, la politique américaine pour le Sahel. Une collaboration dans plusieurs domaines, notamment humanitaire et sécuritaire. Durant son séjour en N'Djamena, Dr. Peter Pham, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel, a eu des séances de travail avec plusieurs ministres pour approfondir la coopération bilatérale relevant de leurs départements ministériels respectifs. Voilà, sachez aussi que vous pourrez suivre la conférence de presse animée ce matin, toujours par l'envoyé spécial des Nations Unies, Peter Pham, au cours de ce journal, au temps de placer l'élément. Descente ce matin du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Païmé Debu, sur le chantier de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena et celui de la construction du siège du ministère des Affaires étrangères. L'arrêt de ces deux chantiers étonne au plus haut sommet l'État. Asirana Batika. L'arrêt des travaux de construction de certaines infrastructures ne convainc pas le maréchal du Tchad. Il s'agit notamment des travaux de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena et de la construction du siège du ministère des Affaires étrangères. Le chef de l'État tient absolument à la reprise des chantiers et à la livraison dans le délai de ces infrastructures, vu que l'État s'est acquitté en grande partie de ses obligations contractuelles. À la cathédrale, après avoir écouté la mission de contrôle sur l'état des lieux, le mobile de l'arrêt des travaux, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Païmé Debu, n'est pas visiblement satisfait. Il tient mordicus à la réception de l'édifice en avril 2021. Je vous souviendrai que le maréchal du Tchad a concédé le financement sur fonds propres de l'État à concurrence de 5 milliards, un peu plus de 5 milliards 9, avec un montant pour une prestation intellectuelle dans l'ordre de 229 millions au financement des travaux de réhabilitation
de ces fleurons que la cathédrale Notre-Dame. Et comme vous le remarquez, il y a eu un très grand retard. Ce retard n'est dû nullement au problème de financement, puisque ça a été financé à hauteur de 85,56%. Les paroles du ministre d'État sonnent comme une injonction à laquelle la mission de contrôle s'engage à s'y plier. Balmé Marty, Apollinaire. Nous allons faire tout avec les entreprises, revoir notre planning d'abord, dans un premier temps, revoir tout le planning d'approvisionnement pour pouvoir tenir ce délai du mois d'avril. Le siège du ministère des Affaires étrangères est un joyau architectural composé de 2 tours de 7 niveaux chacune à équiper avec toutes les commodités pour la tenue de grandes conférences. À entendre la mission de contrôle du chantier, les travaux sont exécutés à 78%. Après avoir fait le tour des différents compartiments du bâtiment, le ministre d'État ordonne l'accélération des travaux pour la réception du bâtiment au plus tard en avril 2021. Cet ensemble architectural coûte au bas mot, au budget de l'État, quelque 45 milliards en génie civil et 8,7 milliards en équipement. Sur le plan financier, 70% ont été payés, 50% jusqu'à 70% sur le génie civil. 50% sur les équipements ont été effectivement payés. Pour ce qui concerne la finition, il est prévu que ça soit fini en fin juin. Fin juin, nous, au niveau du gouvernement, nous ne pouvons pas accepter fin juin. Comme à la cathédrale, la mission de contrôle s'engage à tout faire pour livrer le bâtiment dans un meilleur délai. C'est possible de finir avant. On avait raisonné sur la base que les équipements lourds qui sont commandés devaient venir par bateau. Le ministre en charge des infrastructures, Amat Abakar Hadjid, se propose en adjuvant pour que ces deux infrastructures soient livrées comme promis dans le meilleur délai. Donc les arguments, les alibis, les choses par rapport à la maladie, la COVID-19, maintenant ça ne tient pas. Parce qu'il faut faire avec ce qu'a dit le maréchal du Tchad, il faut faire vivre avec la COVID-19. Et donc comme déjà les frontières sont ouvertes, l'acheminement va se faire rapidement. On va comprimer le planning, on va livrer le chantier pour les fidèles. Plus tard, à la fin mars, début avril, j'ai demandé tout de suite au bureau de contrôle de me faire une proposition d'un planning qui va finir à la fin mars, début avril, pour que la PAC doive être été ici. Les fidèles catholiques et les fonctionnaires des affaires étrangères doivent avoir les yeux rivés vers l'horizon avril 2021 pour jouir du confort que vont leur offrir respectivement la cathédrale Notre-Dame de la Paix et le siège du ministère des Affaires étrangères. Décoration ce mercredi du représentant résident de la Banque mondiale au Tchad au rang du chevalier de l'Ordre national du Tchad par le ministre de l'Économie, de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale, Issa Doumbagne. Une distinction qui couronne le travail abattu par le répondant de l'institution financière arrivé en fin de mission au Tchad. On fait le point avec l'HB Babamé Désiré. Arrivé en fin de mission, le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobougo, est élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Tchad par le ministre de l'Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale. Une distinction qui couronne les loyaux services rendus par ce haut cadre de cette institution financière internationale. Cette reconnaissance réconforte à plus d'un titre le récipiendaire qui dit garder de bons souvenirs. Nous avons fait beaucoup de chemin ensemble au cours de ces 3 dernières années. La rampe de lancement est lancée, le PND à mi-parcours se porte bien, le prochain est déjà en gestation. Et nous sommes certains que le Tchad va être prospère. Avant d'arriver au Tchad en 2017, François Nankobougo, économiste de formation, a eu à assumer d'importantes charges au compte de la Banque mondiale, notamment chargé des opérations principales dans les services d'évaluation de l'efficacité du développement de la région Europe-Asie centrale de 2011 à 2017.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamad Zen, a visité ce mercredi matin l'agence tchadienne de presse et d'édition ATPE. C'est la toute première visite du chef du département de la communication dans un média public. Objectif, s'imprégner des conditions de travail du personnel de l'agence et enregistrer leur doléance. Yann Mouibé. Cette visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement à l'ATPE, agence tchadienne des presse et d'édition, est la toute première sortie du ministre Chérif Mahamat Zen depuis sa prise des fonctions il y a moins d'un mois. Après les chaleureux mots des bienvenus prononcés par la directrice générale de l'ATPE, changement de ton. Madame Seka Nartamadji Asingar Isabelle a soumis au ministre tous les problèmes qui empêchent l'agence tchadienne de presse et d'édition de jouer pleinement son rôle, à commencer par le manque d'un véritable siège. À cela s'ajoute le manque d'équipements appropriés et des moyens roulants. L'ATPE continue à imprimer son journal L'Info dans une imprimerie privée. Pour cause, l'imprimante, acquise à coût de milliards de francs CFA, aujourd'hui hors service, n'a quasiment pas servi depuis son acquisition. Autre handicap, l'agence ne dispose pas de relais en province. Des difficultés qui sont source des démotivations du personnel, selon la directrice générale. Je suis bien conscient de vos nombreuses difficultés, c'est pourquoi j'ai tenu à ce que votre institution soit la première à être visitée, a tout de suite souligné le ministre Chérif Mahamat Zen. Si cette visite a permis de recueillir les doléances, elle a surtout été l'instant choisi par le ministre pour dire certaines vérités. Je voudrais rappeler que le plus haute autorité de notre pays accorde une attention toute particulière au secteur de la communication et plus précisément aux médias publics. Les investissements colossaux faits dans ce secteur. Mais de l'autre côté, il faut relever le fait que ces investissements colossaux n'ont pas donné le résultat escompté. J'en veux pour preuve l'exemple cité tout à l'heure par la directrice générale concernant l'acquisition d'une imprimerie en 2012 qui n'est pas utilisée jusqu'à ce jour et pour des raisons que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer. Ça veut dire qu'on a fait des dépenses inutiles. En 2012, on a dépensé des centaines de millions, voire des milliards, pour acquérir une machine qui n'est pas utilisée jusqu'à ce jour. Ça veut dire que tous les investissements colossaux qui ont été faits dans ce secteur n'ont pas donné les résultats escomptés et les attentes de plus hautes autorités qui attendaient certainement un retour de ces investissements sont toujours les mêmes. Même si les difficultés de l'ATPE sont énormes, une lueur d'espoir jaillit tout de même. J'ai déjà sollicité et obtenu l'accord de principe de plus haute autorité que tous les services publics de l'État, les départements ministériels, les entités sous tutelle, y compris les institutions nationales, vont s'abonner à votre journal L'Info. Cela certainement va constituer une source de revenus qui vont vous permettre au moins de paraître chaque jour. Mais pour paraître chaque jour, il faudrait être en mesure d'avoir des relais dans le pays profond pour collecter les informations, les traiter, les diffuser et les mettre à la disposition du public. Pour le ministre Chérif Mahamat Zen, à l'ère du numérique où les informations se partagent en une fraction de seconde, l'ATPE doit faire preuve d'imagination et de créativité pour être une véritable agence de presse pourvoyeuse d'informations.
Et puis le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mohamed Bachir, a visité les différents services placés sous sa tutelle. Objectif, redynamiser ces services et donner des orientations précises aux responsables en vue de faire du secteur de l'élevage un levier de la croissance économique. Barilet. Prise de contact du ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mohamed Bachir, avec les responsables des directions relevantes de son département. Ce mercredi, il cible quatre directions, notamment le projet d'infrastructure rurale, pastorale et de transhumance, le projet d'urgence de réponse à la crise alimentaire et de l'élevage, le centre régional de la santé animale pour l'Afrique centrale et le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Occasion pour le coordonnateur national du PRAPS Tchad de situer au ministre les difficultés que l'institution rencontre. Nous avons quelques difficultés également dans l'Enedi Est et l'Enedi Ouest par rapport au MAR, à Kalaïd par exemple. Nous avons une entreprise qui est bloquée parce que sur place, les gens ne veulent pas de MAR. J'ai moi-même effectué une mission avec certains membres de mon équipe sur le terrain pour rencontrer donc le chef coutumier et l'autorité administrative de la place pour demander si réellement vous n'en voulez pas, alors faites-nous un PV pour dire que vous n'en voulez pas. Ça aussi, je n'ai pas eu la réponse. Malgré les difficultés rencontrées, le ministre entend s'impliquer pour que l'élevage retrouve ses lettres de noblesse. Je n'arrêterai pas de dire que l'élevage est un secteur prioritaire. Et l'élevage a besoin d'un coup de poing pour jouer son rôle. Donc, j'avoue que ces différentes visites m'ont permis de voir clairement les choses, quelles sont les choses qui marchent bien, quelles sont les choses qui ne marchent pas, et nous allons nous mettre pour, disons, corriger les faiblesses qui minent un peu le développement de ce secteur. Voilà un peu l'objectif de notre démarche. C'est plutôt une démarche qui s'inscrit dans la dynamique des objectifs de ce département. À l'issue de cette tournée dans les différentes directions, le ministre Ahmad Mohamed Bachir a diagnostiqué les maux qui entravent leur bon fonctionnement. Dans les jours à venir, des séances de travail seront organisées pour des meilleures solutions. Le projet autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel-Suède à travers le ministère du Plan appuie le département de la Santé à travers un don des matériels et équipements médicaux. La cérémonie de réception de ce don a lieu ce matin en présence des deux secrétaires d'État, Solange Matamné. Le projet autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel-Suède, dans son slogan « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie », appuie le ministère de la Santé et de la Solidarité nationale avec des matériels techniques et équipements médicaux. Une réponse du gouvernement pour sauver davantage des vies humaines, dont celles des femmes. En remettant ses dons, le secrétaire d'État à l'économie, à la planification du développement et à la coopération internationale, Dr Abderrahim Younous Ali, a salué l'appui du projet Suède avant d'insister sur la bonne gestion des équipements médicaux. Pour le secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale, ces différents matériels techniques sont d'une grande importance pour la formation des jeunes infirmiers. Ce sont des modestes matériels qui vont servir à former une série ou une génération et des générations des infirmiers qui vont s'outiller avec ces matériels qui sont d'une importance capitale. Donc, monsieur le directeur des écoles de formation sanitaire, vous avez une chance inouïe de pouvoir bien former les infirmiers, les sages-femmes, les agents techniques de santé, les matrones, etc. Ces équipements médicaux et matériels techniques au profit des structures de formation sanitaire a une valeur de plus de 270 millions de francs CFA. Un don destiné à 7 écoles, dont 2 à N'Djamena et 5 dans les provinces du Moyen-Chari, du Logone occidental, de Wadi Fira et du Wadaï. La centrale pharmaceutique d'achat a reçu également ce mercredi un lot important de kits médicaux de riposte contre la COVID-19. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé. Maria Massanissen. Des équipements de protection contre le coronavirus, des kits de prélèvement, des boîtes à gants et des cartouches Genexpert.
le tout d'une valeur de 97 277 dollars américains, soit plus de 58 300 francs CFA. Tels sont les matériels constitutifs de ce don de l'Organisation mondiale de la santé au ministère de la Santé publique. Cet événement me paraît symbolique à double titre, qui démontre en premier lieu la détermination de l'Organisation mondiale de la santé à renforcer les capacités du Tchad dans le souci d'accompagner les acteurs d'excellence et d'encourager les synergies entre les structures de l'offre de soins à apporter localement à la population tchadienne. Ce geste vient appuyer le niveau opérationnel du système de santé en donnant les moyens nécessaires au personnel de santé afin d'assurer la continuité des services dans la ville de N'Djamena et les provinces. La remise de ces dons s'inscrit dans le cadre du programme de coopération entre l'OMS et le gouvernement tchadien. Il vise à contribuer à l'offre de services d'une manière équitable et durable à la population tchadienne. Plus de 800 candidats composent depuis ce matin le brevet des techniciens dans 19 provinces du pays. Ici à N'Djamena, ils sont 600 au total, dont 91 filles à composer cet examen. Guillaume Bengeri a fait le tour, voici son compte-rendu. Après le brevet de l'enseignement fondamental BEF, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique entame le brevet des techniciens BT, session d'août 2020. Ils sont 859 candidats a composé cette année le BT dans 19 provinces du pays. À N'Djamena, ce sont 600 candidats, dont 91 filles, qui composent dans deux centres, à savoir le lycée technique et industriel et le centre technique de formation professionnelle, dans les filières comme la mécanique auto, froid et climatisation, la construction métallique, la couture, la maintenance et électricité bâtiment. Le conseiller aux affaires économiques du délégué général du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena, qui a lancé les épreuves, exhorte les candidats à la sérénité. Vous avez choisi d'être dans la technologie. Et le monde d'aujourd'hui est sur la technologie. Car il n'y a pas de progrès sans science. Vous allez très sérieusement, très facilement, et dans la discipline, n'est-ce pas, aborder les épreuves qui vous seront soumises. Pour le délégué à l'enseignement et à la jeunesse de la commune d'N'Djamena, Dungus Abraï, la formation des cadres techniques fait partie des priorités des plus hautes autorités du pays. Dungus Abraï félicite en outre le corps enseignant qui a su donner le meilleur de lui-même pour parvenir à ce résultat malgré la situation de crise sanitaire due au Covid-19. La communauté internationale célèbre ce 12 août 2020 la Journée internationale de la jeunesse. Pour l'occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouan Mohamed Donga Christian, a rendu publique une déclaration dans laquelle il demande aux jeunes Tchadiens d'utiliser les réseaux sociaux pour une bonne cause. Je vous propose de l'écouter. Les jeunes acteurs incontournables doivent accepter de vivre ensemble. Le vivre ensemble est donc le fondement de la vie sociale. C'est la condition de la cohésion d'une société. C'est dans l'unité, la paix, la concorde nationale et la cohabitation pacifique entre tous les filles et fils de Toumaï que nous parviendrons au progrès et à la prospérité de notre nation. Pour cela, vous êtes appelés à resserrer vos liens, vous brasser et échanger vos idées. Ce, grâce à l'utilisation des réseaux sociaux. La question aujourd'hui ne devrait plus être à quoi servent les réseaux sociaux, mais plutôt quelle est la meilleure manière de les utiliser. Car cet outil est incontournable à l'heure de la communication digitale. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à surpasser nos divergences, à utiliser sainement les réseaux sociaux pour construire notre cher pays, le Tchad. Cette célébration est aussi l'occasion pour moi d'exprimer toute ma reconnaissance aux plus hautes autorités du pays, à l'ensemble des partenaires au développement qui ont accompagné notre jeunesse vers son autonomisation à travers des appuis multiformes. Chers jeunes, les manifestations festives de cette journée sont décalées au 15 août 2020 et je vous souhaite une bonne réjouissance en vous exhortant au respect strict des mesures barrières.
Voilà, c'était là le ministre de la Jeunesse et des Sports dans des propos recueillis par Innocent Kilayou. Et puis ce communiqué, la mission de contrôle de l'inspection générale d'État aux activités aéronautiques nationales du Tchad demande aux agents de l'ex-DGANT qui ne se sont pas encore fait recenser ou qui n'ont pas encore fourni leur diplôme authentifié de s'exécuter impérativement, chacun en ce qui le concerne, dans un délai de 10 jours à compter du mercredi, de ce mercredi donc au 12 août 2020. Passé ces délais, tous ceux qui ne se seront pas acquittés de leurs obligations seront définitivement dégagés de la liste des agents et ne devront en aucun cas prétendre à un quelconque contrat avec l'ADAC. À la signature, l'inspecteur d'État, chef de mission, Ndjeko Ndjimgoto Mbaye Daniel Constant. Aussi, un communiqué de condoléances ayant appris avec consternation le décès subit du camarade Jimmy Goutine, survenu dans la nuit du 11 août 2020. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut adresse au nom du président fondateur, des membres du bureau politique national et de tous les militants ses condoléances les plus émues au conseil provincial du MPS du Moyen-Chari et à la famille de l'illustré disparu. Présentement secrétaire national chargé à la planification et des finances au bureau politique national, le camarade Jimmy Ekoutine a plusieurs fois été membre du bureau politique national. Sa disparition intervient à un moment où le parti a encore plus besoin de ses services. Que son âme repose en paix. À la signature, Mohamed Nabia, le secrétaire général de l'administration du parti. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.